Oh, le boys band. Oh, j'avais pas vu. Cherchez l'intrus. Allez, salut. Il t'a recruté à la dernière minute, lui. J'ai une nouvelle coupe de cheveux, on arrête d'en parler. Parce que j'étais myope quand j'étais au collège. Tous les deux ans, je changeais de lunettes. Et quand j'allais au collège, on me disait « J'ai des nouvelles lunettes !» Et ben, j'en ai marre de ça. Pas de problème, Matt Pokora, on fera rien. On avait signé avec MXM, pas de Joyka, là. Ouais, c'est clair. Et tu peux regarder la caméra et faire « Pourquoi les papillons Papa, est-ce que je peux aller me baigner avec le requin ?» J'adore Internet. Quand vous commandez des choses sur Internet, parfois, vous, flemmards, avez oublié que vous aviez commandé un truc sur Internet et vous oubliez d'aller chercher en point relais. Savez-vous ce qu'il se passe quand vous n'allez pas chercher un colis en point relais? Ça finit dans une vidéo de gros youtubeurs. Voilà, ça finit dans une vidéo de Joyka. Et du coup, derrière nous, près de 300 kilos de retour de gens qui n'ont pas été chercher leur colis, nous allons déballer ce qu'il y a à l'intérieur en espérant peut-être trouver des lingots d'or. Je ne sais pas. Ce qui est très excitant, c'est qu'on n'a aucune idée de ce qu'il y a dedans et peut-être que là, il y a un MacBook. Oui. Moi, je vais en rendre un à quelqu'un d'ailleurs. Bien sûr, on va le retrouver. L'intégralité de tout ce qu'il y a là vous seront en fait donnés pour un euro symbolique lors d'un vide-grenier. Putain, un euro. Ah, génial. Ça ira à une asso, blablabla. Du coup, vous pouvez vous abonner à ce compte Insta. C'est le compte Insta qu'on utilise pour vous recruter lorsqu'on fait des vidéos avec des abonnés. Donc voilà, profitez de cet instant pour vous y abonner et les infos concernant la manière dont on va distribuer ces colis vous seront données sur ce compte Instagram. Est-ce que vous êtes prêts pour un unboxing? Non, d'abord on fait une sponsor. De la muerte. Oh oui, tu vois. Ça fait longtemps. Cette vidéo, vous l'aurez compris, est sponsorisée par Menosheld. Oh, plusieurs codes disponibles sur InnoShield, notamment la Clear Case et la Solid Suite que je porte actuellement. Compatible MagSafe. MagSafe, c'est quoi? C'est ce petit rond qui vous permet de mettre plein d'accessoires, notamment cette petite poignée qui est magnétique à Bill. Qui permet de regarder des séries. Oui, notamment. Et de faire un trampoline à doigts. On a épuisé le fun du grip, c'est bon? Toutes les coques sont compatibles avec plus de 100 smartphones et elles sont personnalisables jusqu'au bouton. Tu le veux en rose, tu l'as en rose. Il y a également des coques pour iPad Air en 4e et 5e génération, 10,9 pouces. On a tendance à l'oublier. Oh, qu'est-ce qui vient de nous sortir? Il y a des lanières pour téléphone, dis-moi. Et en fait, tu peux accrocher à ton iPhone, il est comme ça, tu vois, et t'es là, tranquille, bilou. Évidemment, il y a plusieurs licences disponibles sur InnoShield, comme par exemple, qu'est-ce qu'il a? Disney, Mandalorian, Dragon Ball Z et Game of Thrones, One Piece et la NASA, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, et on en passe. En ce moment, c'est les soldes d'été sur InnoShield. Vous pouvez acquérir votre petit accessoire pour votre téléphone chéri. Il y a moins 15% avec le code AMXM jusqu'au 27 juin inclus. Merci, InnoShield, de nous suivre depuis le siècle dernier. Le lien est évidemment dans la description. Bonne vidéo à tous. Ah, j'ai envie de déballer des trucs. Ouais, on y va, c'est parti. Commencer. La vidéo, elle est commencée. Allez, allez, non, non, non. On fait un chacun. On s'en fout, c'est pas pour nous. Oh non, mais c'est pas pour nous, le MacBook, je le prends. Hein. Je peux vous raconter une anecdote avant de commencer? Oh non, on a plus le temps, c'est bon. Des thermomètres rectaux japonais. C'est vrai. Qui a la plus grande température? Quick. Ça me rappelle mon enfance. Regarde celui qui a de la fièvre, j'en ai probablement. Non, vas-y. Parce que c'est pas lavé, du coup. Ouais. Ah si, c'est des retours produits, c'est sauf. Ah, moi celui-là il a été utilisé. Hein. Il a été utilisé par un mec qui mange beaucoup de taboulé. Premier colis, un thermomètre rectal. Ça commence par ça. On aura aussi des mauvaises surprises, c'est la première. Alors on aura surtout que des mauvaises surprises. En vrai, et globalement par rapport à ce qu'on avait la dernière fois, c'est presque dans le haut du panier. Wow. C'est vrai. Ah, colis suivant. Thomas, tu choisis un colis. C'est à moi ou... Bah non, mais alors tu vas bien niquer ta mère. Pardon, excuse-moi. Bah non. Alors si je puis me permettre, dans la street, quand on dit va bien niquer ta mère, c'est pas suivi dans... Oh, excuse-moi. Oh, un petit ensemble. Oh, c'est quoi cette saloperie là? C'est une salopette. C'est une sorte de bleu de travail. Attention, le style. Non. Ah si, un petit peu. Non, vraiment pas. Le style de Maxime dernièrement. Oui. Le style d'Yvan. Et évidemment, la petite poche à thermomètre. Un jour, il y a un livreur qui est arrivé chez moi, ouais. Et avec trois colis. Il n'y avait qu'un seul colis à mon nom, et je l'ai bien vu quand il me les a donnés. Et moi, je suis un connard, je les ai pris. Parce que je croyais vraiment qu'il y avait un MacBook Pro dans le gros colis, enfin, je me suis imaginé ça. Génial, quoi. C'était du scotch marron. Alors, ça, c'est le rêve d'une vie, hein. D'une vie dans les années 90. Ouah, la chance. Pour le mettre sur les appuis-têtes. On est tous d'accord qu'un dimanche typique de Thomas, c'est installer ces câbles-là dans sa Ford Focus. Fiesta, j'adore la teuf. Ça fait longtemps que ça attend à la poste. Ouais. Tu peux nous dire de quand ça va avec ce visuel à peu près? Ah bah oui, bah là c'est simple. Hein. France-Norvège 84. Votre colis est disponible depuis le 13 février 2003. Votre colis n'est plus à la mode. Suivant. C'est qui? C'est à toi? Maxime, ouais. Alors, allez. Je fais celle-là, tiens. Pardon. Ça pique? C'est là-dedans. À votre avis, c'est bien ou c'est une pas gomme? Bien? Je pense que c'est bien. Moi, je pense que c'est claqué au sol. Un briquet Hello Kitty. Oh, il marche. Oh. Oh, la fameuse. Vous le voyez? Oh, la hype. Et ça sent la fraise en plus. Non, arrête. Je te jure, c'est vrai. Possible.
Ah mais non, mais c'est son parfum. Ça sent rien. Ah, c'est toi qui sens la fraise. Et oui, c'est son parfum. Merci. Il y a une flamme rose. Comme j'ai jamais vu du feu rose, j'ai envie de mettre mon doigt dedans. Oui. Non, mais ça, il n'y a pas le biais cognitif qui dit que c'est dangereux. Voilà, bleu ou jaune. Je suis d'accord. C'est fou, hein. C'est marrant. Voilà. Suivant. Là, là, là. John Holland. Oh, il a l'air heureux de vivre de ouf. Pardon, mais je savais pas que le début de la carrière de Tom Cruise avait commencé comme ça, moi. Si, il a galéré. Tu veux que je te dise? Ça, c'est un enterrement de vie de truc. Oui. Il le met le jour. Et il a divorcé, en fait. Ils se sont séparés juste avant. C'est une robe de mariée homme, non, mais en fait. Que tu le mettes. Ah, mais c'est vrai, ah, vous êtes sûr? Bah oui, oui, c'est M, c'est ta taille. Bon, bah ouvrez un autre colis en attendant, puis je réveille. Je vais chercher un colis. Oh, je crois que t'as fait tomber le. Ouais, ouais. C'est ouais. Bon, j'en ai un. Mais non. Maxime, j'ai ouvert des Balenciaga. Bon, des fausses, hein, mais... C'est des stickers. Non, mais c'est des Yeezus, ça. Alors, c'est vraiment des Balenciaga? Non, c'est des fausses. Mais en vrai, elles sont un peu cool. Elles sont un peu cool, hein. Suivant. Oh, c'est des... C'est des perruques. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est trop bizarre. Ou alors, c'est des chaussons chelous. Bah, si je l'enfile, ça peut être fin de carrière. Non. Attends, quoi? Il faut des cheveux pour le mettre. Ah, merde. Oui, oui. Ah voilà, Pablo Escobar. Peut-être que ça va sur quelqu'un qui a déjà les cheveux comme ça pour créer du volume, oui, tu vois. C'est ça. Ah, je suis marrant ou pas? De ouf. T'as fait non avec ta tête. Oh putain, j'ai pas vu. Ah, excuse-moi. Ah oui, bah, c'est drôle, mais évidemment, toujours. Évidemment. Sauf erreur de ma part, c'est à moi de servir. Allez, c'est parti. Les gars, celui-là, il pèse un peu. Oh non. La Rolls des synthétiseurs. Attends, il est payable. Oh les gars, regardez ce qu'il y a. Même sur Air France, ils ont un casque, ils ont le même au SAV d'AXA. Non, c'est en japonais. C'est en japonais. Allez, on rentre à la Casbah. Au revoir. Oh, excusez-moi, c'était par là. Oh oui. Quel soutien, hein. On est un croux, hein. Ah, ça y est, c'est fini. Et merde, j'aurais pu m'arrêter. Allez, celle-là, elle est pour vous. Oh là, c'est bizarre. Oh non. Quoi? Oh non. Oh. Non, mais il n'y a pas de plug. Oh non, les gars. Ça te va super bien, Thomas. Non, mec, c'est un déguisement de furie. Il va m'attraper. Regardez, Thomas qui fait un Lego. Thomas qui fait une vidéo construction. Suivant. Allez Thomas, je t'ai sélectionné ceux-là, je suis à peu près sûr que c'est une dinguerie. On essaie de respecter les dingues, hein. Ah non. Vous savez ce que c'est ça? Ça fait des trucs bizarres, non? Tu penches ta tête comme ça, et après on le met feu au truc, et c'est censé faire sortir la scie. Yo le briquet Hello Kitty. Le projet c'est de se mettre un truc chinois en feu dans les oreilles, ouais, c'est ça? C'est ça. Allez, on le fait, on fait ça. Il est trop continuant. C'est dangereux. Non, 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 pour le coup, non. Non, c'est mais sûr que non. Pourquoi il y a un gars avec un extincteur qui arrive? Allez, quoi! J'ai vu ça dans les vidéos. Oh. Joyeux anniversaire! Franchement, pour un fan de Thomas Deuzer, ça, à son anniv, c'est trop bien, quoi. Vous êtes sûr de votre mais coup, sur hein? La table, tu rigoles, oui, oui. Quoi. Enfonce-toi un peu plus, par contre. Mais arrête de... Non, enfonce pas plus! Mais c'est quoi, cette scène? Allez, joyeux anniversaire! Thomas, t'attrape? Putain! Ah, oh, le MacBook, putain. Oh, 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 voilà, oui, non. Oh, oh, allez. Vite, vite. Sorry. Oh, on n'a rien vu. Dégage, sors du champ, sors du champ. Là, là, là. Et le colis, le colis suivant. Allez, j'ouvre celui-là, moi. Fini. Oh, la vache, je suis lourd. Oh, là, c'est un iPhone. Non, c'est pas possible. C'est vraiment vrai? Ah oui, non, c'est vraiment vrai. Quoi? C'est un putain de faux. Ah non, 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 il est encore filmé. Attendez, mais parce qu'il y a des très, très beaux fakes, hein. Parce qu'il y en a qui excusez-moi, sont très, mais très designé by California. Eh mec, ils refont tout, les types, ils remettent tout. Ah, il a été. Ah non, mais non, il était filmé, donc non. Il s'allume, il y a la petite pomme. Mais voilà. Non. Si, si. La prod nous dit que c'est aussi des colis qui ont potentiellement été livrés à la mauvaise adresse. Mais ce qui est génial, c'est que tous les gens ne sont pas comme Thomas. Car quand ils ont un iPhone qui est reçu, ils disent oh, mais c'est pas pour moi ça. Vous avez dû vous tromper, monsieur le livreur. Moi, je le rends pas, ouais. Moi non plus. Bon, ça reste à la casse-bas. En fait, après le choix de langage, il est bloqué, genre ça marche plus. Ah, il est mort, merde. Ah, le mobilier. Bon, c'est juste un peine chauffant. Ok, c'est pas pour moi. Vas-y, ça dégage. Ah, c'est un peine chauffant, bah, ça dégage, je le prends quand même, hein. Bien heureux. Thomas, excuse-moi, mais on avait dit deux. Bon, d'accord. Oh, t'as fait enculer Max. Ça aurait pas été sans déplaisir. Avec plaisir. Je me sens un peu souillé.
Pardon, j'ai pris de l'élan. Je peux pas m'arrêter. Ça fait mal? Non. Des huiles essentielles. Ah, des huiles essentielles. Des huiles essentielles. Dans ton diffuseur. Une petite goutte sur la tempe. Hop là. Ah, tu viens de faire de l'huile son essentiel. Je fais de l'huile mon essentiel. Bam. C'est génial. Vous pensez à moi? Ah, c'est une double Minerve. Vous, vous revenez de Roland-Garros. Non, à mon avis, c'est le nouveau Apple Vision. Non, on rigole bien. Suivant. Ah, contre... Moi, je peux ouvrir un colis. Oh la vache. Oh, je suis là, le gros. Oh, oh, mon Dieu. Eh, c'est des haltères ou quoi? Yvan, Yvan, viens. Ah, c'est vraiment des haltères. Non. C'est des poils pour la muscu. C'est un gros Marcel. Un gilet. Il le met. Ah, oui, 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 c'est comme ça, et c'est comme c'est ça. C'est un gilet pare-balles, mais... Allez, attends, vas-y, reviens, vas-y. Reviens. Oh, tenez-le, tenez-le. Ah, ah putain. Tenez-le, mais tu je... Il est excessivement... Un, deux, trois... Ah hey. Attends, enlevez-le, le gilet au sol. Voilà. Levez-le. Ah, wow. Ah, c'était hilarant. Oh la vache. Putain, ce soir, c'est soirée ciné. Et les gars, on est rendu en fait, comme tous les produits qu'on a unboxés sont assez fous, on est rendu à être en mode... Pas de vanne, pas de vanne. C'est ce que je dis, hein, c'est fou. Hein. Ah, il est petit, hein. Oh là 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 là. Moi, j'ai déjà eu ça. Non, voilà. Mais... Je l'ai acheté, je l'ai mis dans ma chambre. C'était un peu plus gros, j'étais trop heureux. Mais ça fait taf. Non. Non. Ah, d'accord. Ah, non, non, c'était affreux. Enfin, faut aimer genre du jardin comme ça, quoi. Non, déjà, y a... aujourd'hui, il y a un truc vraiment qui nous fait dire c'est de la merde. Ah, le câble RCA. Ah, c'est pas 4K, ça. C'est caca. C'est caca. Oh, encore une vanne, il est fort. Et la télécommande, elle est plus lourde. C'est vrai. Elle est tellement lourde, d'ailleurs, que quand je la mets dans la poche à Thomas... Ah, putain. C'est bon, j'enlève. J'enlève. Le gars avec le vidéoprojecteur, souvent, il fait son install, ça prend à peu près une demi-journée. Et quand il la met, il met le film de Catherine et Jonathan qui vont se marier, mais il oublie d'appuyer sur écran plein. Ah oui. Dès qu'on a la fenêtre. Oui, et en général, il a toujours en surimpression le petit menu Epson avec marqué Iris Auto. Moi j'ai mieux, j'ai ceux qui laissent la visionneuse de Windows Movie Maker. Eh bah ouais, j'allais dire ça. Voilà. Ils lisent le projet. Le truc a jamais été exporté. Et ça, ça fait plaisir. On est des geeks, non? Oui, je pense. Il y a vraiment un MacBook Pro là. Top le 7. Oui, flouté. Oh là là. Oh les boules. J'ai la même à la maison. C'est drôle une. Oh, c'est marrant, je beat. Putain, on se fait un battle beat. Ah, et tu pouvais cracher dessus, ça suffisait. Oh, oh la vache, l'enfoiré. Fucking shit. Je vais essayer de l'accrocher au mur. Perdu. Suivant. Il se dépêche par contre. Ah. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Oh, non, une... Agenoue-toi, agenoue-toi, agenoue-toi. Ah oui, c'est bon. Étienne, oui. Veux-tu m'épouser? Oh, attends, mais c'est quoi? C'est quoi ce retour produit de ouf? Attends, c'est génial. Ça, une histoire. Non, si je sais pourquoi. Parce que ça pue la merde, surtout. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un gars qui est parti en week-end de demande en mariage et il a oublié la bague à monter à le relais. Mais elle s'est dit, oh, le seum. Non, après, ça peut faire un piercing de nez. Franchement, mais m'impressionner quand vous arrivez à épuiser le fun d'un objet, c'est fou quoi. Allez, suivant. Oh, oh non. Du pipo? Oh non, la vache. Dans ce grand colis, il y en a qu'une. Ah, c'est Lélé. Ah. Faites un cut là! Qu'est-ce que vous faites les monteurs? Vous laissez ça, tout ça? C'est du très bon pipo ou je ne m'y connais pas? Monsieur Frodon! C'est magnifique en vrai. Je suis super bien. C'est j'aime trop l'acoustique du hangar. Tu peux continuer, tu peux continuer. Ah, ça m'a fait lever le sexe. Et ça s'enchaîne super bien avec des prothèses mammaires. Oui. Deux petites prothèses mammaires. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Sortez de mettez-lui l'anneau, mettez-lui l'anneau. Connecté. Non, non, non. Ah, ça m'a fait bizarre. C'est trop bizarre ce que t'as fait. Non, t'as tout dit. T'aimes bien un peu là? Ah ouais, je vois pas trop en fait. Non, pas trop, d'accord. Ah, c'est affreux. Va te laver les mains. Qu'est-ce que je viens de faire là, franchement? Mais je sais pas. Ah, il y a un bout de nibar. Dégage. Attends, je vais voir si ça colle au mur. Ah, c'est horrible. Ah, c'est dégueulasse. On dirait une vieille crevette. C'est vraiment ignoble. Je suis traumatisé par cette séquence et vous aussi à la maison. Ça me dégoûte. Ça me rappelle un jeu qu'on avait quand on était petit là.
Il est tout là-haut, il s'est collé sur la rambarde. Il se tombera jamais. Un jour, je revendrai ce hangar et quand je ferai la visite du futur propriétaire, je... Mais non, rien à dire de plus. Si ce n'est ce bout de prothèse mammaire, voilà là-haut. Là. Suivant. Il me fait trop de l'œil, celui-là. What? Il me fait trop de l'œil. Ça, c'est du vrai, mon cochon. Tu sais les choisir, hein. Oh, ça, c'est de la housse de siège. C'est évidemment cadeau. J'en veux pas. Du bon cuir dégueulasse. Ça pue. Oh, mon Dieu. À Shenzhen City. Oh, mon Dieu. Regardez-moi cette qualité. J'ai une surpiquée, en plus, surpiquée jaune d'or, jaune doré. On va l'essayer. On a pas de siège, mais on a... Mets-toi en position, voilà. Fais une assise avec tes bras et mets-toi. Et mais tiens, tiens. Non, mais tiens-le. Tu tiens comme ça. Je suis plus sûr de ce gag. Si, si, il est super, il est super. Accroupi, maintenant. Bon, mais c'est génial. OK. Ouvre la porte. Super. Voilà. Et tripouille-moi le... Ce siège massant. Et il parle, regarde, tu peux lui parler même. Ok, siège, mets-moi bien. Bon, écoute, la température extérieure est de 27 degrés. Voilà. Globalement, votre femme est plutôt un partenaire fidèle dans la vie. Il y a un petit diams quand même. Ah, c'était horrible l'odeur. Si vous voulez refaire votre intérieur, c'est pour vous. Hein. Bah, ton styliste, il est pas doué. Ça va super bien. T'aimes pas? Bah, pour une soirée siège. On est désolé, par contre, la housse de volant n'est pas fournie. Vraiment, je suis désolé. Non. Voilà. Excusez-moi, vous êtes Julien Siège? Si jamais j'étais un manifestant qui milite pour les droits sociaux, on pourrait dire que je suis un siège social. Oh, c'est un siège social, okay. Ouais. Est-ce que si je me mets comme ça devant une vieille cité médiévale, on peut dire que je suis assiégé? Ouais. Ouais. Allez, c'est colis suivant. Sur celui-là, il y a marqué « fragile ». Est-ce vraiment fragile? C'était fragile. C'est quoi? T'es un peu content là, non? Non, c'est les trucs de bandage. C'est des... Non. Il y a vraiment eu ça dans le colis que vous avez acheté? Qui a oublié d'aller chercher ça à Mondial Relais? C'est une pompe à tétons. Ça fait très bien. J'ai tourné la tête 2 secondes. Ah non! Ah! Ça va. Ça fait mal au début. Et après, ça va. Tu peux tester la pompe à tétons sur une autre partie de ton corps? Vas-y. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh! Oh, mais agréable! C'est horrible. Maman, on continue la vidéo. J'ai vu son téton sortir comme ça. Oh, agréable un peu. Les gars, il y a une raquette de ping-pong à cul. Ouais, c'est pour se mettre des petites fessées. Alors, où en est le plan? Et il y a une personne là qui a oublié ça et qui regarde la vidéo et qui est toute rouge. Hein. T'as en train de regarder tes chaussures, hein, Sylvain? Je propose une séquence où chacun ouvre son petit carton. Ah, c'est bien ça. Et réagit en silence. Je vous en mets un chacun. 3, 2, 1, ouverture. Vous avez eu quoi, vous? J'ai eu un petit panier de basket. Moi, j'ai une boule qui sent bon, qui sent pas très bon. Tu vois? Des chouchous. Je vais mettre là comme ça. Tu vois? Okay. Après, j'en ai... Oh, oh joli! Oh, ouais, non. Oh oui! Oh, putain, il est fort! Il est chaud! Vous savez ce que j'ai eu comme objet? Un truc dont je rêve depuis très longtemps, mais vraiment premier degré. Un écran de Samsung Galaxy S8. Comment? Qui est déjà cassé. Ah, il est cassé. Ça, c'est malheureusement poubelle, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Non, allez, vite, mets-toi là! Allume! Ça, c'est pour toi, Yvan. Donc ça, c'est pour une petite fille, on est d'accord? Ça pue. Oh, une niche pour chien! Mais pas du tout, c'est une perruque! C'est pour augmenter la taille de son sexe, non. On en a tous rêvé à la maison, attends, bien sûr. C'est quoi, c'est des gouttes? C'est une perruque, je vous dis! Ce qu'il y a à l'intérieur de ça, on va le vivre ensemble. D'accord, ok. Et on dit... Go oui, bundiza, la 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 la. Quel... Go oui, quelle complicité! Oh la vache! Oh non, un lecteur! C'est nul! C'est un lecteur de DVD externe, c'est chiant à mourir! Non, mais il y a des fois une expression qui s'appelle avoir une mauvaise idée. Message à notre aimable clientèle, le magasin va fermer ses portes dans 2 minutes. Qu'est-ce que c'est que ça? De la corde de marin pêcheur, cette vidéo n'a aucun sens. Suivant. Ça commence à faire beaucoup de sexe quand même. Non! Qu'est-ce que c'est? Oh la vache! Ah, c'est des. Ah, c'est des gaines! Pour rendre ton zizi plus gros. Les gars, vous y connaissez vachement. Non, c'est parce qu'en fait, on a vu un reportage. Non, mais c'est un pote qui m'a dit. La matière, elle est horrible! What the fuck? Mais quoi? Mais attends, alors expliquez-moi. Vous êtes sûr que c'est pas un set de Lego d'une architecture orientale? Échec et maths. Voilà, exactement. Allez Thomas, ouvre-nous ce colis. En fait, je le sens un peu celui-là. J'ai des énergies. Je suis l'homme qui murmure à l'oreille des colis. Ok. Non, mais c'est pas parce que. Oh, ça fait un joli médaillon, tu rigoles? Bon, allez, je le plaisir, gamin. Oh, mais il y a la chambre à intégrer. C'est tout mignon, merci. Arrête! C'est quoi? C'est un produit dérivé du groupe Romain. Il y a vraiment des noms qui font flipper, il y a marqué Steamozone. Le groupe.
Merci, chef. Je pense que c'est une casserole Tefal. Tellement proche. Une essoreuse à salade. Une essoreuse à salade électrique. Ah, c'est cassé. Non. Littéralement. Non. Ah non, mais attends, c'est vraiment une essoreuse à la salade, là ? Toi qui n'es pas venu le chercher, t'as bien fait. Hein. Ouais, mais les gens, vous achetez vraiment pas c'est de la vraiment qualité. C'est vraiment un panier à salade, frère. C'est... Une essoreuse à la salade électrique. Non, mais les gars, vous débile. Abusez. Ça marchait tellement bien manuellement. Mais en plus de ça, c'est très fun. C'est de la merde. J'avoue, j'aime bien. Ça marche tellement bien en manuel. Pourquoi ils font un truc électrique ? Mais oui. J'aime bien, en fait. Du coup, ça fait gagner du temps. Ouais. C'est pratique et ça permet de manger de la salade plus quotidiennement. J'arrive jamais à trancher entre les gens. Je fais le double jeu. Oui. Allez, une série de petits colis en même temps, c'est parti. Oh, une veinée. Une veinée solaire. La chance. Moi, j'ai un tank futuriste. Ah oui. Allez, ça dégage. Moi, j'ai un petit mot pour mettre dans vos toilettes. Bah voilà, pour que personne n'écoute, lui. Il y a un petit mot pour les toilettes. C'est sympa, le petit mot des toilettes. Une moissonneuse batteuse. Ah, je le voulais trop quand j'étais petit. Une de Sèvres. Ça a l'air câlin. Enfin, ça m'excite un peu là. Thomas, t'as bien des anecdotes sur les moissonneuses. Qu'est-ce que c'est? Moi, je prends mon petit jouet à moi, la Rebecca Dolls. Oh, j'ai peur un peu. Bonjour, jeune enfant. Oh non, c'est un bébé avatar. James Cameron. C'est trop chelou. C'est très chelou. C'est une navette. C'est globalement une des choses les plus perturbantes que j'ai vécues dans ma vie. En plus, c'est une odeur. Ah, mais toujours sur cette place, c'est trop bizarre. Bonjour. Non, c'est vrai, c'est tu es moi. C'est bon, toi. C'est oui, bon. C'est ça. Oh. Putain, ça va être génial parce que t'as quand même pas de cheveux, on rappelle. Ron Weasley. Elle a repris voilà, ouais. C'est là. L'avant, c'est là, non? Après, les perruques, ça a l'avantage de pouvoir se mettre. Oh, ta gueule. Ben voilà, tu vas finir la vidéo avec ça. Vous êtes sûr que ça se verra pas? Il y aura pas de faux raccord. Non, c'est bon. Les gens vont pas capter juste. Ça me fait grave plaisir, c'est génial, mec. C'est pas ma couleur d'origine. Allez, suivant. What the fuck? Je sais. Ah bah, oh là là. Ça va tellement aller bien aller avec ta perruque, Iron Man. C'est pour les réservoirs de moto. Voilà, c'est pour faire les kikous. Ah bah, il y a un deuxième, putain. C'est les protèges réservoirs de moto. Bumblebee et Iron Man. Suivant. Oh, pour ton jardin, Thomas, ça va être super, ça. C'est un jardin en peluche. Oh là là, quel ennui, quel ennui. Allez. C'est un petit sachet, regarde. Oh non, regarde, c'est un regarde. Sachet de gravier. Quoi? Léo, le quatrième membre du crew. Ah, mais c'est un retour produit, il est tout sale. Hey, mais pourquoi tu touches? C'est pas un retour produit, frérot. Mais le vagin est tout collé, tout sale. Mais non, mais c'est parce que c'est de la merde, c'est tout. Non. Alors, quelle horreur. Comment il s'appelle? Ah, c'est angoissant c'est à crever. Sale. Comment il s'appelle? Mais elle est sale. Messieurs, j'ai juste la prod qui me dit ne touche pas trop, ça a peut-être déjà servi. Mais c'est sûr. Mais c'est sûr. C'est sûr, c'est ce que. Va te laver les mains. Va te laver les mains. Après, ça reste mon type de femme. Hein. C'est pas sa journée, non, moustachu. Elle s'est fait saccager. Oui, oui. Oui, s'il te plaît, oui. Ah, oh, c'est un stick arcade. Oh, une PlayStation. Ah, c'est cool. J'ai deviné la cause du renvoi. Et le dernier colis est donc un écarteur Zanus. C'est une fourche de vélo hyper stylée. Ah ouais? Squidish. C'est sûr, c'est une Squidish. Fin de vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à vous manifester en mettant un petit pouce en l'air pour nous dire on aime bien ces petites vidéos unboxing un peu wouh. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, c'était plusieurs centaines de kilos de colis perdus. Et on remercie Rhinoshield. Merci beaucoup. Bon, je vais télécharger leur coque en description. C'est un produit physique, achetez-le. -15% sur le code AmixM. Merci et à bientôt. Ciao. Au revoir.